salut à tous, c'est PinguinChat12 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon KO, l'épisode 14 je crois. Bon, dans le dernier épisode on avait je crois battu le troisième champion oui. Puis ensuite nous sommes allés simplement dans une grotte qui nous va nous amener à l'avant-ville. Donc là vous remarquez que j'ai mis le son, c'est tout simplement un test. Si je vois qu'on m'entend bien, bon bah je continuerai avec le son comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère d'ailleurs que vous suivez toujours cette série. Donc il va falloir qu'on sorte de cette grotte, parce que voilà quoi, la grotte c'est un peu chiant. Donc il va falloir sortir de cette grotte. Je vous rappelle qu'on avait capturé un mystère justement pour y voir quelque chose. Décidément. Ouh, un Onyx. C'est intéressant Onyx. Mais bon, je vais pas en capturer. Ok, un Montagnard. Mais Pokémon ont des techniques de trahison. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça veut dire quelque chose. Ok, donc c'est Iker. Iker Allen. Bonjour Allen. Il sent pas bon. Ok, il a envoyé un Raikou niveau 25. Alors je vais me le tenter avec Casse-Bec. Vas-y, prends ça dans ta gueule. Ouais, ok. Ouais. Il fait magnitude. Ok. Bon bah adieu Flamekish. Mais voilà, hein. Je savais qu'il était petit proche et que c'était super efficace qu'il allait me faire, mais je m'attendais pas qu'il me sorte un ampleur 7. Bon bah du coup on va sortir espoir. Et même si c'est bon au niveau, faudra que je l'ai XP en off. Bon après j'ai le charge VS donc ça devrait aller assez vite, mais bon voilà. Peut-être un peu long quand même. Donc oui, voilà, espoir il a évolué enfin quand même. Je peux le renommer, c'est cool. Enfin, je sais pas, je peux l'appeler Espoir. Non, Espoir, ça lui va bien. Très bien, Espoir. Ouais, je l'ai battu, youhou. Du coup, j'ai qui en première position. Ok, bon, bah, j'ai Didi, ça va le faire. Il y a tunnel. Ok, un escalier qui monte, enfin une échelle. Alors, le son est un peu mauvais. Faudrait aussi que je règle ça. Ok, lui, il me prend, je l'écran. Parce que je crois que c'est une histoire de son stéréo. Voilà. Alors je vous le dis, j'ai acheté Terraria, je sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de Minecraft 2D, hein, on va dire. Parce que tout le monde dit un peu pour se moquer du jeu. Bah je pense que je fais deux vidéos là-dessus, car c'est un jeu très sympatoche. Très sympa, qui a beaucoup plus de possibilités que Minecraft. Et beaucoup plus complet et tout. Mais il a en donné, c'est tout. Et justement, ça rend un petit côté super bien. Là, j'ai l'impression qu'il me démonte. Je crois pas que c'est qu'une impression. Je fais pas très attention. Et voilà. Ok, donc il fait boule armure. Oui, pourquoi pas, hein, monsieur. C'est comme vous voulez. Hein. De toute façon, on l'a mis KO, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer maintenant? Ah, match-up. Donc, match-up. Match-up, ça dépend comment vous prononcez. Je connais des personnes qui disent macho. Voilà. Oh mon dieu, un macho. Je sais pas pourquoi vous disent macho. 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 Voilà. Donc, il envoie un macho. C'est macho. Je déteste les gens qui disent macho. Ouais, voilà, la personne qui dit macho se reconnaîtra peut-être dans les commentaires. Voilà. Ok, donc lui m'a fait bien mal car j'étais plus passé. Mais bon, là, je le refais tornade. Non mais sérieux, espèce de crotte là. Voilà, parfait, la crotte. En tout cas, j'espère que vous aimez de la musique. C'est déjà plus attractif, vous voyez, c'est déjà mieux. J'espère qu'on va bien m'entendre. Hein. Parce que si on m'entend pas... un peu problématique. Ok, il envoie un Géodude. Non, mais pourquoi j'ai pas changé de Pokémon? Bon, bah, je suis plus passé, on va se casser. Hein. Envoyez Espoir, qui est de type vol quand même. Il est de type eau et vol, donc... s'il me met une fée attaque, une attaque roche, je vais prendre cher. Mais... faut le faire. Ouf. Quoi? Ah non, j'allais me dire d'où il peut me faire ampleur alors que je suis type vol. Bon bah c'est cool d'avoir été type vol, surtout souvent c'est pas très 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 un avantage d'avoir
la petite Valeo, bon, là si. Donc pour le coup, c'est bien. Il envoie un autre racaillou, décidément. Franchement, ils sont pas très original, on va dire, les petits montagnards. Ils sont tout le temps pareils, ils ont la même chose tout le temps. Même Pokémon. Mais bon, on a battu Lenny et qui voulait gagner. Enfin, il m'a dit que j'ai gagné. J'ai gagné, bien sûr. Alors, on continue d'avancer. Non, mais sérieux, les Pokémon. J'aurais vraiment fallu que je rachète des repousses. En fait, j'en ai jamais acheté, mais je dis rachète parce que voilà. Ok. Ben moi, je vous dis. Ah, heureusement qu'on a. On a flash hein, parce que sinon c'est vite perdu. Ok, donc Zubat, on s'en fout. Ok, donc normalement on va aller par le haut. Oui, il perd sortie. Allez Michel, non mais il y a trop de Pokémon. Voilà, trop, mais vraiment trop hein. Je déteste les grottes, si vous aussi détestez les grottes, dites-le dans les commentaires. Tout le monde déteste les grottes, de toute façon. Aucun mystère. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les Pac-Man de cette version, on peut aussi les rencontrer Shiny. Voilà. Pourquoi j'ai fait hyper fin? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oh, ça va. C'est pas très efficace, mais c'est pas mal efficace. Ok, il reste 10 PV, mais je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est des ordi à des Zedgras. Je déteste les grottes, plus que tout. Bon, je déteste aussi les océans, parce que, voilà. Voilà. Mais voilà, quoi. Je déteste les grottes et les océans. Voilà. Voilà, voilà. Les grottes et les océans. Si vous aussi, je déteste les grottes et les océans. Hein. Ok. Bon. Espoir, hein. Tu es mon dernier espoir. J'écoute la musique, eh bien. Bon, bah le problème, c'est que mes Pokémon sont un peu mal en point. Je peux pas vraiment utiliser ma petite aubergine pour ça. Gravelaire, ça serait pas Gravalanche. Oh, punaise. Gravalanche niveau 21, je sais pas comment t'as fait mec. Mais c'est plutôt pas mal. Ok, one shot. Voilà. Voilà, Gravelé, il est mort. Et niveau 23, sérieux, il monte beaucoup plus rapidement. Mais compte qu'on avait mis genre à peu près 10 épisodes pour le faire monter. Pour lui faire monter 15 niveaux. Et là en deux épisodes, il monte de 3 niveaux. Quoi. On va mettre espoir. Faudra vraiment que je les hit spot parce que là ils sont assez bas. Rock tunnel. Je déteste. Allez, on espère qu'on est bientôt à la sortie. Zubat, toujours. En fait, je suis au niveau des Pokémon sauvages, vous savez. Le truc est pas trop normal. Enfin, voilà quoi. Allez, non, c'est pas la sortie. Allez, dis-moi de ça à côté. Non, Pokémon Ranger. Non. Je crois que c'était bientôt la fin de la grotte. Mais non, c'est 100 ans cette grotte. Alors, moi, j'ai clipé plus. Voilà. On lui baisse son attaque, c'est pas plus mal. Je sais pas. Alors, on va lui faire Water Pulse. Dans ta corde parce que voilà, c'est l'attaque de type eau, le type eau, donc ça fait mal. Voilà, plus c'est une attaque spéciale et vu qu'il augmente sa défense, et ben ça va lui faire très mal aussi. Et puis voilà, ne posez pas de questions. C'est quand même bizarre que mon Léviator il est encore trempette hein. Je sais pas si ça fait très Léviator. Oh mon dieu, Léviator qui pisse trempette dans la vie de la ville. Il envoie un Shizam. Donc il est de type insecte et poison. Bon, continue. Hein. D'ailleurs, vous avez peut-être dû entendre qu'il a vu le Brudrocool et qu'il vient de me faire ce top. Oh mon dieu, il envoie aubergine.
Ouais, aubergine, c'est pas que je t'aime pas, mais... Non, en fait. Bon, voilà, vous avez vu pour la première fois aubergine en plein combat. Il a pas fait grand-chose, mais vous l'avez vu en combat. Ok, donc bon, ça peut pas baisser ma précision, car j'ai... Ken Aim. J'ai personne, on va dire. Donc c'est génial. Ah, presque niveau 21, là. Et un Mew. C'est quoi? C'est déjà un Mew. Un Meowth, ok. Bon, bah, Gust. Niveau 21, il déconne pas. Payday. Payday. Non, il voulait pas dire PD, hein. Ah. C'est paye, le jour de la paye, quoi. C'est jackpot. Et c'est vrai que quand on le prononce à la française, payday, c'est pas très propre. Mais bon, c'est pas grave, allez. Voilà. Une payday, ça permet d'avoir de l'argent. Même sur les Pokémon sauvages. C'est pas génial, ça. Racketter les Pokémon sauvages. Même pas comment c'est possible. Quoi. Alors t'imagines, tu te balades, tu croises un Chenipan, pas tu lui donnes un gros coup pour lui piquer ses pièces. Je sais pas s'ils ont de l'argent les Pokémon. Ça j'ai entendu. Mais ça fait 10 minutes qu'on est dans cette grotte et on est toujours pas sorti. Bon, je vais regarder vraiment si j'ai pas des repousses bagues. Alors... Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Non mais sérieux, là ça a l'air d'être la sortie, je suis sûr. Un manqué. Voilà, il est manqué. Non, je te connais, c'est un fait en sorte. Donc on a pris le ressort, mais on s'en fout parce que nous on se casse. Non, tu veux pas te battre toi? Qu'est-ce qu'il dit? Rock Slide, Tomb Rush, c'est ça? Qui peut apprendre Tomb Rush? Bon, Flame Kush, mais non, tu dois attendre très bien. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ouais, bien. Bon, l'échelle est là. On sait où elle est maintenant. Il va falloir prendre l'échelle. Le problème, c'est ce gars-là. Je déteste vraiment les grottes. Ok, donc c'est le montagnard du lait qui va se battre. Eh bien, c'est parti. Ah mon dieu, un caillou. Bon bah, c'est l'espoir hein, qui va gagner tous les points d'XP hein, dans cette grotte. Voilà. On a bien fait de le prendre et de l'acheter. Rappelez qu'on a acheté un Magikarp 500$ quand même. Je sais pas qui est assez con pour acheter un Magikarp. À part moi, bien sûr. Ouais. Ouais, il nous sert, hein, ce Magikarp, hein, maintenant. Hein. C'est quand même bizarre de vendre un Magikarp, hein, je sais pas. Bonjour, je vous demande un Magikarp. Oui, j'ai vendu aussi, je sais pas. Et non, il doit pas en vendre beaucoup, des Magikarp, hein. Dans toutes les versions, presque, on retrouve le vendeur de Magikarp, et... Et à cette fois, il nous dit qu'il veut pas le reprendre, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi à chaque fois il tente sa chance à vendre des Magikarp à des enfants innocents. Parce que dans le jeu, notre perso il a quand même 10 ans et je sais pas, tu rencontres un gars et il dit hé, je vais acheter un Magikarp. Et bien ce Magikarp, j'ai pêché hier. Le gars il doit avoir la canne mais c'est pas... Allez, tentez vite. La tête, voilà. Non mais s'il te plaît. Oh ouais, je les ai même pas combattus. Ok, là je la sens la fin, vous la sentez? Il y a Onyx, on s'en fout, vas-y espoir. J'ai toujours l'impression que la Magikarp qui va sortir. Baisse lui sur la tête si tu veux. Vite, il faut sortir de cette grotte. Comme que, vous avez vu? Il faut sortir. Pourquoi? Je déteste encore plus que grotte à cause des dresseurs qui n'a pas 20 000 encore une fois mérité. Mais on voit mieux hein. Et bon bah à ce petit
à cette petite chatte, parce que c'est une femelle, on va lui faire montrer ma bite. Ma bite, genre la morsure, hein. N'imaginez rien d'autre. Hé, hey, je suis pas pédé. C'est juste montrer mes gros... ma grosse bite. Enfin... faudrait mieux que je me taise, moi. Bref, on a utilisé bite, hein, et pas bite. Bite. Mord. Ah, il envoie des... oui, je change de Pokémon. On voit une nuit à boule, voilà, rien à foutre. Nuit à boule. Qui ne ressemble à rien d'ailleurs. Alors on va faire Aerial Ace. Est-ce qu'on a plus pipi? Non, Aerial Ace. Donc Odish, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous envoyer? J'aime bien les persos pipi-cœur parce que ça nous change de la monotonie des montagnards qui ont toujours les mêmes Pokémon en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont des Pokémon différents des autres. Ah, lui aussi la canne ice. Vous voyez, c'est cool. Ça enlève la monotonie. Mais... même si toutes les pique-niqueurs ont les mêmes Pokémon. Ça enlève la monotonie. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je cours pas, parce que ça va attirer encore plus les Pokémon. Donc voilà. Ah, une pancarte, oui. C'est la fin. Non mais bien sûr, hein, juste avant. Oh. Allez, je m'en fous. Vas-y, espoir. Nous y sommes presque. Allez, arrête de l'intimider, nous devons partir. Enfin. Bon bah les dresseurs, on verra ça plus tard, mais nous, on va se casser. Hein. Où est la musique? Ok, il n'y a pas de musique dans la ville. Ah si, elle a mis un peu de temps à s'allumer. Ok, ça va. Ils ont dit oui, ok, ils ont enlevé la musique du jeu. Oui, pourquoi pas. Alors, dans la... Là, vous avez compris. C'est bizarre, la musique prend du temps. Ok, la musique était bizarre. Donc nous sommes à l'avant-ville. Et puis à l'avant-ville, bah qu'est-ce qu'il y a de spécial à part un cimetière? Bah... rien, c'est un cimetière. Là le son, on sent qu'il est musique. Alors, on va acheter des super potions. Alors, je disais, nous pouvons pas aller dans... encore pour le moment à la au cimetière parce qu'il nous faut un scope sylph parce que on peut pas voir les spectres si on n'a pas cet objet. Donc du coup on va devoir aller à la ville d'après. Donc non j'en ai pas fait un. On va devoir aller à l'île d'après pour enfin la ville d'après pour cela de pas je crois bien. Ah pour avoir le badge numéro 4. Il y a une arène de type plante d'ailleurs. Donc j'ai acheté des super rappels. Hein. Voilà. Donc on se casse à la Lavender Town. D'ailleurs le son ne veut pas se lancer. Vous avez vu? Ok, donc c'est bizarre. On est route 8. Il y a une petite fille. Bonjour madame la fille. Non, elle m'a vu. Oh là là. Donc l'avant-ville hein, pour le moment il n'y a pas grand chose à faire. Ce sera pour après donc on doit continuer hein, comme d'hab. Donc il est de type normal, il n'est pas encore de type fée, donc on peut s'autoriser de faire des casse-briques. Parce que Mélophée est devenu de type fée. Et depuis XY, ce qui est logique et qui s'appelle Mélophée. Vous comprenez la logique. Follow me. Ok. Oui bah follow me, eh mec, t'es tout seul. C'est follow me, ça tire les coups vers lui et c'est plus utile en combat doux que en combat pas doux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, vu qu'il n'y a qu'un ennemi, on est obligé de le taper. Donc on voulait s'attaquer soi-même. C'est très bizarre.
Ok, bon bah un deuxième Clefairy. Hein. Voilà, c'est tranquille. Et coup critique. C'est super efficace. Donc, adieu. Et on a battu Julia. T'inquiète, t'as une charge à côté. Là aussi, on pourrait rencontrer des Pokémon. Et s'il y a un surtout. Oh mon dieu, un combat double. Le premier. Ah non, c'est pas un combat double. Non mais sérieux, les gars. Ah si, c'est un combat double, j'allais le dire. Il y a quelqu'un qui se dit, allez hop, je vais attaquer. Alors voici notre premier combat double. On compte les meilleurs Pokémon. Ok, donc celui-là, c'est intéressant, l'attaque Follow Me. Genre, si j'ai envie d'attaquer Jigglypuff, que Clefairy fait Follow Me, bah, tous mes Pokémon vont l'attaquer. Voilà. Mais vu que je suis plus rapide que... et que je leur fais mal, ce n'est pas un problème. Donc, au moins, je sais qu'il y a des combats doubles, et je sais que celle-ci, j'irai former, hein. Donc, voilà, hein. Bien que je les monte en niveau et donc faut bien que je farm à un endroit et donc ça sera ici le monde en vie, ce sera ici que je vais farmer hein, je pense ça peut être un bon endroit je sais pas ce que vous en pensez, je m'en fous, je le fais quand même. Bon, je... ce combat est terminé, on a battu les âmes. Ah, la puissance des jumeaux, voilà. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces dresseurs là? C'est, le truc il, c'est super chelou quoi. Il y a trois petites filles, genre je sais pas, j'ai 8 ans. Et au milieu t'as un mec chelou, lunettes comme ça, genre mode scientifique, bonjour. Voilà les filles. Ok, tout va bien. Allez mes capotes, j'en t'accueille. Alors, niveau 26 quand même. Ah. Ça fait mal. En effet. Et comme par hasard, il m'empoisonne. Non, elle était touchée par le poison. Bon, on va envoyer Miaboul. On sait que vous prenez du retard. Vas-y, Miaboul. Ok, on voit Smog. Gaz toxique, normalement. Et sérieux, c'est quoi ce Pokémon qui empoisonne toute mon équipe? Enfin, il est pas empoisonné, heureusement. Vas-y, prends mon AES, elle me prend ta gueule. Voilà, ça c'est pour les dégâts. Et ça, ça doit être, je sais pas, des tritons. Je pense. Voilà, donc coping, c'est fait. Et Flamekiss monte au niveau 23. Et on a battu Mister Lunette au milieu des filles. On va appeler comme ça. Bague. Moi j'aime bien. Je veux bien d'ailleurs. Entraîner mes Pokémon pour qu'ils montent de niveau, mais faire des combats, hein, c'est chiant. Au début on aime bien faire des combats mais après on se... Ah attendez, une petite amphibiorice m'a dit eh cucu, t'as pas une vidéo mais je m'en fous en fait. Alors on va passer comme ça. Non mais d'où elle me voit? Oh, elle me voit de loin. Hey, y'a Megan. Ouh, 5 Pokémon, elle déconne pas celle-là. Bon, normalement, plus les dresseurs ont des Pokémon de niveau bas, plus. Ils ont des niveaux de bas. C'est logique. Bon, attendez. Plus on de Pokémon. Arrête l'antivirus. Plus on de Pokémon, moins ils ont des niveaux. Voilà. C'est pour ça que ça expliquait que Monsieur aux lunettes au milieu des filles avait un truc niveau 25, je crois, parce qu'il n'y avait qu'un Pokémon. Et qu'elle n'a que des niveaux 19 vu qu'elle a 5 Pokémon. Donc, voilà. C'est logique hein, vu qu'il y a plus de Pokémon à entraîner, bah... c'est compliqué quand même. Bon bah on continue à faire Flamèche hein. Donc voilà, on va pas changer. Oh mon dieu, il a survécu. J'ai mal. Bon après je vais me soigner parce que je déteste le son d'agonie du Pokémon. Si vous aussi vous détestez Ah, je déteste ce bruit d'agonie. Alors, vite. Impatient.
Ah, ça fait du bien aux oreilles. Bye. Bon bah, j'aurais pu faire casse bruit mais non, j'ai envie de continuer à être flammé, parce que moi, je sers à rien. Bon, au moins, il gagne de l'XP. Dans un perso, je peux les fermer en masse. Même si c'est gagné qui est à peu près, même pas un niveau en fait, par Pokémon, c'est pas mal, trop nul. Amber, de toute façon, il faudra que j'en prenne ma petite aubergine à un moment ou un autre, hein, si je veux maîtriser quand même un petit peu. Là, vous voyez ma petite souris qui bouge, je trouve que la souris. Je la laisse là, comme ça, je sais pas. Je sais qu'après les mois. Bon, bah, niveau 24, c'est parfait. Voilà, ça me touche. Je t'aime, quoi. Bon, moi je dis les gens, on va s'arrêter là parce que vous voyez, il y a plein de motards là. Ils ont pas l'air très commodes. Donc on se retrouve pour le prochain épisode de Pokémon KO. Eh bien, voilà, prochain épisode de Pokémon KO. Si vous avez aimé, laissez un pouce vert, laissez un commentaire si vous avez envie de dire un truc. Ah, l'antivirus pour terminer d'ailleurs. J'avais envie de me dire quelque chose, oui, de faire ça, machin. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez cette vidéo, et à la prochaine. Bisous, bisous.